Vas-y. Merde. Prêt. Oh, il y a les petites araignées. Oui, j'ai peur. Mesdames. Il faut qu'on dégage. Monsieur, bonsoir, Seth Price. Nous nous retrouvâmes avec un invité. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Attends. Par là. Oui. Ah, tu dois t'en aller. Avec un invité spécial, Docteur Space. Bonjour. Dis-moi. Dis-Ali. Dis-moi. Alors. Allez, on va aider monsieur. Tu grimpes et tu me laisses là, ça va. Mais laisse pas la torche, vieux con. T'inquiète pas, la torche, ils ont peur du feu. Mais ouais, mais mec, le feu il est pas sur moi là. Mec, bref, l'épisode 17, l'épisode 7, pas 17, épisode 7, court. Oh mec, j'aime pas, je déteste ça. Y'en a partout. Moi j'adore. Ah, il a une de sa chaussure. Mais merde, faut y aller. Qu'est-ce qu'il veut lui? Mais avant, ça te fait. Il est recul ou quoi? Bref. Fais un cumulé. Ah oui, je vais faire des cumulés. J'avais pas capté. Oh mec, c'est horrible, c'est pas beau. Oh, de Dieu, elle passe par le plafond. L'épisode 7 chapitre 7. C'est normal. J'ai mis en facile. Non. Mec, j'ai galéré dans le 2, ça m'a saoulé. Le jeu m'a le 2 non. M'a saoulé tellement que c'est difficile sur la fin. Mec, je te jure. Ça m'a saoulé. Mais le 3 ça va franchement. Voilà, on a un fan d'Uncharted avec nous. Voilà, docteur. C'est vrai. Il adore Uncharted, oui. Déjà demain, il adore aussi. Franchement, s'il aurait pas fait le let's play dessus, je l'aurais fait moi. Ah oh, yes. C'est bien, au moins t'es biodégradable maintenant. Non. Non, mec, il est 10h du matin, 11h maintenant, et je hurle comme pas possible. Ah ouais, moi je sais même pas s'il y a des gens chez moi, je pense que je suis tout seul. Ah ouais, tu sais, voilà. T'as été pissé, non? Vieux con. Ouais, d'ailleurs j'ai failli pisser la porte ouverte, je me suis dit, ouais, mais peut-être des gens en fait. Non, j'ai fermé la porte, tu fais pas. Et donc, on a un fan de Uncharted, et c'est vrai qu'il a voulu les faire si je le faisais pas. Mais mec, elle me graille les pieds là! Arrêtez! Ah, oh, oh, regarde celle-là, elle reste avec toi! Coucou! Ah, mec, c'est horrible, je déteste ça! Oh mec! Ça va, t'as juste chopé 2-3 infections, mais sinon, tu t'en sors bien. Oula, l'élève ne bouge pas. T'as remarqué ou pas? Allez, retourne! Non, il y avait l'élève qui ne bougeait pas. Ouais. On va où, putain? J'y pense, en fait, les Uncharted, tu les as fait beaucoup de fois, toi? Non, le 1, je l'ai fait 2 fois, le 2, je l'ai fait 2 fois, le 3, je le fais 2 fois. Voilà. Donc là, c'est la deuxième fois, quoi. On doit trouver un moyen. Mais le 3, je n'ai aucun. Non, je le fais 2 fois. J'ai aucun souvenir du 3 parce que je l'ai fait à sa sortie. Et j'étais très jeune et je jouais vite fait pour jouer. Voilà, c'était mon premier. C'est mon premier Uncharted, le 3. Ça va pas. Si je l'avais fait sur PlayStation 3 et j'ai aucun. Voilà la sortie. En bas. J'ai vraiment aucun souvenir. Ah, super. Je peux descendre, non? Je vais voir si on peut traverser. Non. Après, si tu veux plus être aventurier et être paraplégique, tu peux descendre, hein, mais bon. Ah non, par là. C'est ta vie, ton choix. Et non, mais je suis ravi que tu viennes me. En fait, voilà, je lui ai demandé, attends, je compte faire mon épisode 7, tu veux venir? Il fait, attention à toi. Attends, je vais faire pipi, j'arrive. Et il est là, je suis content que tu sois là, voilà, sache-le. Sache-le. Ouais. Tu veux parler peut-être de tes prochains let's play, de ce que tu comptes faire sur la chaîne tant qu'on y est? Ouais. Je sais pas quand il sortira après... cet épisode. Hein. Oh, c'est mec. Longtemps. Mais oh, en fait, ouais, voilà. Il sortira sûrement en septembre. Ça sert tellement à rien ce que je vais dire en fait parce oui, que les gens le sauront déjà. Mais on verra. Non, mais on verra si tu as respecté. On verra si j'ai tenu parole. Alors, dans le futur, en principe. Dans le futur, en principe, oh là là. Si tout se passe bien. Oh là. La bâtisse. Ah vraiment, vas-y, monte dessus là, t'inquiète pas, là ça va aller. Regarde comme c'est des roulettes, regarde, comme dans une sortie, ça il va s'effondrer. Oh, attends, chut. Attends. Chute un petit peu dessus, ouais, vas-y. Attends. Tu tombes pas du game. Vas-y, explique ce que tu comptes faire. Et donc, bah en principe, si tout se passe bien, je fais une espèce de série. D'émission. De série, oui, où en fait je vais sur des jeux que j'apprécie particulièrement et où ça n'a pas vraiment de. Disons que t'es pas là pour l'histoire, quoi. Genre, mec, ils ont de l'essence tire dedans. C'est ce que je connais faire, mais. J'ai raté. T'as mis ici, lui. Ils reviennent même pas, ils ont rien entendu. Ce qui est bien, c'est qu'au moins personne n'a soupçonné qu'il y avait un problème, quoi. Tire à blanc. Et donc, je ne sais pas s'il y aura par exemple plusieurs épisodes sur un jeu. Voilà, ou si justement... Non, mais attends, tu vas le sauter dessus, mec. Ah, encore mieux. Brûle-moi tout ça.
Bleu le bret aussi. Ah bah en fait finalement t'auras peut-être pas le temps. Oh là, regarde le thug là avec sa capuche. Tu peux me dire comment est-ce qu'il voulait m'avoir? En fait il voulait me tirer sur ma tête, alors que j'avais tout mon corps en bas qui pendait. Hein. Le fils okay, de thug. Ah ouais, il faut... Oh, c'est un mec, tant pis. Vas-y, donc... Et donc, en principe, ce serait sur des jeux donc, que j'aime bien, machin, que je fais pas découvrir, bah, parce que bon, il y en a certains qui sont assez... Regarde le mec là devant moi. Connu, mais c'est pas... Regardez, il pourrait t'allumer, hein, mais non, il s'est dit, on va juste lui mettre des droites. Oh, tiens, Zidane. Aïe, putain. Oh, qu'est-ce que te mettre Zidane. Allez, marbleu. Mec, ils sont tous chauves dans ce putain de jeu. Tous les méchants sont chauves. Regarde, hein. Mais vraiment. Moi, ce qui fait rire, c'est que tu vois, les gros, genre les mecs musclés et tout, bah en fait, c'est tous des frères, les gars, tu vois. C'est tous des jumeaux. Des jumeaux. Il fait quoi, genre, ils sont tous la même gueule. Celui, il est con ou il fait quoi? Ah, le 45 défenseur, qu'est-ce que défendeur, pardon, c'est... Merde. Faut que je fasse quoi, là? Faut que tu fasses tomber la, ouais. Faut que je me mette en silencieux. Il y a du muscle, Nathan, quand même. Voilà, donc du côté fan, petite série, et peut-être aussi, t'avais dit de reprendre le DLC. Ouais, DLC. Reprendre Spider. En tout cas, il y a un épisode à l'heure actuelle, quand donc on est le. Oh! Il s'en bat les couilles quoi, le mec continue sa marche. On est le 6 juin et normalement j'ai déjà un épisode de tournée, mais je sais pas si tu l'es mini. En fait, je sais pas si je fais d'abord la série ou avant les. Je sais pas. Oula. En tout cas, l'épisode 1 est tourné. Ah, nice! Nice. Ouais, moi. Je tourne alors que l'épisode 1 d'Uncharted est sorti il y a 2 jours, tu vois. Donc, Uncharted 2, pardon. Faut que je fasse quoi? Tu veux quoi? Il veut quoi? Allez. Okay. Bah, il va t'aider à regarder. Mec, ou moi, pas. Mec, dans un incendie, faut pas que j'y sois. Faut pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'on partout. Allez. On est coincé. Bah, là, ça va. J'adore. Bon, bah. C'est ma deuxième mort du jeu, non? Merde. Ouais, bon, je suis en facile. Si on fait un compteur de mort comme à Dark Souls, au moins, tu vas moins mourir que plus. Ouais. Oh. C'est mon jeu. Oui, parce que nous avons joué à Dark Souls. Tous les deux une fois, mais ça s'est mal passé. C'est lui là. Ah oh ouais, on avait plus de 100 morts en fait. On est renfort. Ah oh ouais, non, on était pas loin, je pense. On était vraiment pas loin de 100 morts. En même temps, l'arbre, je l'avais presque tué, c'est bon. Ouais, l'arbre. Sortir. Petite anecdote avec Dark Souls, la porte, mec, derrière toi, je pense. Bah oui, voilà, il était mort. Oh, le mur. La porte ou alors le trou dans le mur, c'est pareil. Hein. Bon. Bon, que ça et genre en fait j'avais fait le jeu presque fini, mais en fait mes sauvegardes ont lâché. Du coup, shit. Ah c'est con ça. Ouais, du coup je l'avais recommencé avec toi. C'est vachement con. On aime. Surtout contre... Dark Souls tu vois. C'est... Ce jeu j'ai l'impression qu'il bug beaucoup. Genre Uncharted. Bonjour. Parce que mec, on dirait qu'on est dans un volcan, il y a la lave. Mec, j'ai fait tout à l'heure dans l'épisode précédent, j'ai dit ce mec là, Nate, c'est le mec qui joue casse-gueule. C'est toujours le mec qui se plante dans tout. Fais attention. Petite anecdote, savais-tu ce que ça, pourquoi on, ce que ça représentait les symboles rouges quand on tire dessus autour en fait. Mais quoi? Tu vois, quand on tire dessus, t'as des symboles rouges. Ouais. Bah en fait... En fait, je t'explique, en fait, ça représente ta chance. En fait, c'est-à-dire que quand tu te fais trop tirer dessus, y'a une balle que t'as plus de chance en fait. Attends, quoi? En fait, quand tu te fais tirer dessus, tu vois, bon, on saute maintenant parce que sinon tu vas mourir. En fait, quand on tire dessus, tu vois, t'as les espèces de lignes rouges qui t'indiquent d'où on tire dessus, tu vois. Oui. Bah en fait, clairement, les mecs ils te touchent pas en fait, c'est ta chance, donc ça veut dire qu'en fait, les balles te frôlent. Ah. Et au moment où en fait, bah t'es... Ce qui devient noir blanc, c'est que t'as plus de chance et tu meurs. Du coup, c'est que chaque fois, bah Nate, chaque fois, il y a de la merde. Si, c'est ça. Ok. Merde, alors depuis le début, je pense qu'on me tire dessus, je fais, mais putain, Nate, il se prend des balles. Ah non, en fait c'est ta chance normalement. Enfin, c'est ce que un des. Je pense c'est un des mecs qui fait le jeu, le 4, qui avait expliqué. Enfin, c'est un des gars du QZ4 qui a expliqué. Ah, ok. Oh! Ah, bah tiens, voilà un jumeau. Tiens, dans les coins. Ouais, tiens. Il devrait mettre des coquilles à force, hein, tu sais, je sais pas. Comme... Regarde-le là! Oh! C'est pas visé, Nate. Mais aide-moi, merde, celui! Oh! Tu regardes, t'as l'air de gérer à mort. Attends, mais je peux prendre mon arme, non? Non, je peux pas. Tu sais qu'une fois, gros, j'ai essayé d'en tuer avec une arme, gros, tu dois me vider 3 chargeurs dans sa gueule pour qu'il meure, je te jure. Sérieux? Ouais. Mais il a une droite. Mais mec, il a plus de couilles là, gros, il y en a combien des paires? Il en a 5 ou quoi? Voilà, ça il est bon. Ça on est bon.
qui est volé là. Okay, ça va celui. On y est presque. Je pense qu'il... Non mais la porte. Mec, ils ont rien pris, genre tu l'as mis une tête là quand même. Non mais t'inquiète que... Regarde ça là. Oh, oh. Mec, on est d'accord que le 1 il est ultra facile en termes de gunfight. Non. Non, non, non. Mais les armes elles bougent pas, mais par contre les mecs ils te mettent masse balle, hein, c'est abusé. Ouais, ouais, même le 2, mais mec, le 2 là. Ah, le 2, pourquoi je suis parti en facile, mec? J'étais en difficile puis normal, j'ai pété un câble, je suis allé en facile. En plein épisode, j'ai pété un câble. J'ai fait une ellipse. Je pense qu'ils étaient tous fait en difficile, je pense. Mais c'est sur la fin, c'est vers. Ouais, avec Lazarevitch là. Ouais, ouais, vers la fin, vers le l'épisode. Mec, je spoilais, mais je me suis rappelé que ça sortait après, donc tout va bien. Mais c'est à la fin, quand le village prend feu. Et qu'il y a un tank. Voilà, c'est là. Ah ouais, ouais, le tank il est hyper relou, hein. Avant le tank, avant que tu dois détruire le tank. Et c'est le chapitre 19. Mec, j'ai pété un câble. J'ai pété un. Pas comme ça, t'es con. Je voulais pas, mec. J'ai pété un câble en épisode et heureusement que j'ai fait une élise parce que j'étais vraiment vénère. Je mourais en boucle, mec. Merde, oh, aide-moi. Allez, voilà. Ah, tiens. Y voilà. Aide-moi à terre. Fais savoir ce que tu veux quand même. Merci. Te voilà. Allez. Allons-y. Ouais, let's go. C'est parti, les. Oui, pardon. C'est mon problème dans les jeux. Mais recharge. Oh non, mais. Oh, saute, hein. Ah, non, ouais, saute. C'est pas possible. Oh. Oh. Il a de la chatte quand même. Ah oui, tu coup de main. Ta mec, il a pas eu le temps de prendre ma main, il s'est bougé sur, il s'est rué sur moi là. Oh là là, encore. Non. Celui, prochaine fois, tu passes en deuxième et je passe en premier, ça va. Mais pas possible. Oh. Au revoir. N'empêche, le mec, tu sais, il s'est retraité, il est en train de vivre sa vie comme s'il avait 25 ans, le gars. C'est ce que je pensais. Le pauvre, regarde-le là, allez, vas-y. Allez, grimpe-le dessus. Mec, non, c'est pas possible. T'as aucune force quand tu fais ça. Je suis désolé. Non, mais. Il est con, Nate. Nate, il est con. Mec, il s'accrochait sur le même poids que celui. Il est con. Bon. Bon, vieillard. Ok, Tristan bugué. Ellipse, parce que Tristan a du 4. En attendant que Tristan revienne, on fait une ellipse. Voilà, et il me met en stress ce jeu. Ça va, mec. J'ai fait une ellipse, t'inquiète pas. Allez, on rejoint le champ en partage maintenant. Est-ce que manger des bonbons cerises à 11h, c'est clean? C'est vrai que je peux pas te demander, est-ce que toi tu fais ton défi de con? Ferme ta gueule. Fils de pute. C'est bon, tu vois? Ouais. Bon, bah excuse-toi maintenant auprès de... Désolé les enfants, juste une co... Je pense que mon chat tombe assez vite dans la machine. Qu'est-ce qu'il veut? Il a un bug mental ou quoi? Mais Nate, qu'est-ce que tu fais? Vieux con. Mais il voit rien. Mais pourquoi il voit rien? Il y a un trésor, c'est obligé. Si. C'est pas possible, y'a rien quoi. Ouais, juste une grosse baise quoi. Pourquoi il voit rien, il est con? Ah oui, feu, bâtard. Il y a du feu. Oh, baignoire. Attention, tout va s'écrouler. Oh. Il est chez toi là. Mec, il a donné corps et âme pour me taper, regarde. Regarde. Oh. Le petit coup de poing dans la mâchoire. Oh, tu as foutu, fils de pute. Tiens, meurs. Ça va? Ça va, monsieur. Oh. Il a passé ça le soir, lui. Mec, ces animations, elles sont tellement drôles. Ça va? Allez. Non, pas trop. Je vais où? Là, non. Mec, t'es chaud, après j'essaie de tourner mon épisode sur Battlefront 2 et tu viens en pesant partout. Ça. Ouais, chaud. Il est où? Ça veut dire que là en fait on parle dans le futur d'un truc qui se passera dans le passé, c'est quand même assez fort. Ouais, j'avoue, mec. Normalement. Bah oui, si tu le tournes, oui. Ah oui. Ouais, mais après il y aura peut-être pas toi parce que mes joueurs partage sont de la merde. Hein, mais... Ouais, ça c'est sûr, on va encore faire croire que j'y suis. Ouais, c'est ça. Mec, tu vas monter par le. Ouais, voilà. Là. Tu connais vraiment le jeu par cœur ou quoi? Ah bah oui. C'est ça, ouais. Ils sont où tous les trésors dans cette map? Les trésors, si je passe devant, ouais, mais. Il est déchiré. Ah, allez.
Y'a quoi devant maintenant? Parce que ouais, je trouve ça très chiant dans un jeu de te forcer à chercher. C'est quoi après ça? Après ça, tu vas monter en haut, tu vas tomber avec le toit et tu vas te retrouver sur le bâtiment d'en face. À l'aise. Oh, merde. De plus, il a partiellement raison. Je dis bien normalement. Hein. Il est fils de pute, il a raison. Ah bon, ça je te l'ai pas dit parce que c'était pas drôle quand même. Je pense que tu dois aller à gauche, mec. T'inquiète pas, Sully, ça va aller. Bon sang, non. Mais sa réaction, une putain de tour va s'effondrer. Merci Sully, bon sens d'observation. J'avais pas remarqué, mec. Très perspicace. Oh, oh. Regarde ça, regarde ça. Tiens, c'est bizarre, j'avais raison. Mec, ce château français. Au revoir. Ah, j'étais aussi très dégoûté quand j'ai vu qu'il brûlait. Ah mec, c'est dégoûtant. Tu sais que, petite anecdote inutile, je me rappelle que la première fois que je jouais à Uncharted 3, je l'ai eu en cadeau non, je pense que je l'ai eu en cadeau, je sais plus à quelle occasion, parce que je sais plus quand il est sorti. Mais en bref, j'étais trop hype, genre je jouais, d'ailleurs je jouais le début, tu vois, quand t'es enfant, enfin quand t'es adolescent en Colombie, voilà. Et genre en fait, mais genre je jouais, tu vois, ce soir, j'étais en mode merde, je vais arrêter. Et là, t'as ma mère qui me dit ouais, on va pas à l'école demain parce que je sais plus quoi. Mec, j'étais tellement heureux en mode oh putain, je pourrais travailler le jeu. Je te vois là. Sérieux? Il faut que je te dise. Ouais, j'étais trop chaud. C'était un petit branleur. Ouais, c'est comme le 1. Tu sais que le 1, en fait, j'avais jamais vraiment joué depuis la collection, juste que je regardais mon père jouer. Et comme un fils de pute, je m'amusais à grimper sur la montagne près du sous-marin. Oh, t'es con! Et je redescendais en bas, puis je remontais, je redescendais. Je redescendais. Mais la collection, c'est il y a des mois que tu l'as eu? Ouais, ça fait. Je sais pas. En tout cas, je l'ai torché. Oui, j'ai acheté le jour même, j'ai acheté le Drake's Collection. Et le 4, et quelques mois plus tard, t'as pris le Drake's Collection aussi, j'étais même content pour toi. Bonne raison de faire tout ça. Oui, là, c'est ta fille qui te dicte ta... Par contre là, j'ai pas suivi la conversation. Et c'est pas ce que je t'ai appris. J'ai pas suivi la conversation et j'ai l'impression que celui a raison dans ce qu'il dit. Il me fait une leçon, j'ai l'impression. Il va tous nous faire tuer. Oh non. Quoi? Cutter et Chloé. Si on a été suivi. Merde, eux aussi ont été suivis. Ah, faut qu'on les appelle. Ouais, et qu'on file en Syrie en vitesse. Ah ouais. J'espère que tu sais bien où est la voiture, parce que je suis complètement paumé. Mec. Syrie, la nuit suivante. J'espère que tu vas galérer pour les énigmes ici, parce que ça va. Parce que moi, quand j'étais plus petit, j'ai galéré. J'arrive toujours pas à les joindre. J'adore les énigmes, moi. Sache-le. Tu vas dans l'épisode précédent, juste avant toi, j'ai eu deux énigmes. C'est compliqué, mais j'ai pas galéré. Genre, j'ai utilisé mon cerveau. Par contre, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans le 2 dans la prison turque. Enfin, en Turquie. La chaîne est coupée. D'accord. Au moins, on sait qu'on n'est pas les premiers. Aussi longtemps que Marlowe et Talbot nous croient morts, on a l'effet de surprise. Faut pas le gâcher. Ouais. J'avoue. Donc, on se faufile. Ah, il y a mon chat. Si, ils sont vivants. Toujours aussi optimiste. Je dis juste que ces gars ont pas l'air du genre à prendre des otages. On va essayer de rester positif pour le moment, d'accord? On sauve Cutter et Chloé, et une fois tous les quatre, il est marqué quoi en arabe là? Oui, bien sûr. On sort discrètement. La Syrie. C'est possible. Attends, mais je confonds pas deux endroits quand même, je suis pas fou. Ah non, non, c'est bon. Bref, je pense, voilà, c'est la fin de l'épisode en effet. Hein. Merci d'avoir suivi cet épisode, merci d'être venu, Tristan, merci d'être venu. On se retrouvera bientôt pour le prochain épisode, l'épisode 8, exactement. Dans la citadelle syrienne. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur YouTube. Ciao, ciao! Ah, c'était Fryce et Dr. Space, important. Ciao, ciao! Et bisous!